Allez, paradise.fr. Si toi aussi t'en as marre d'ouvrir des packs et de te faire douiller parier, alors n'hésite pas à aller sur igsky.com, le lien est dans la description et tu bénéficieras de 8% de réduction avec le code LXT. Yo les amis, c'est Lexity, j'espère que vous avez la forme les mecs. Bah écoutez, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'aurez remarqué dans le titre les potes, aujourd'hui on va faire une draft au hasard avec Dédé. Donc je suis pas tout seul, hein, je vais faire cette draft avec mon frère. Donc comme vous l'aurez vu, on va faire une draft avec Dédé. Donc je crois que ça a déjà été fait sur le YouTube français. Je crois que le YouTuber Robert87000 a déjà fait ce concept sur sa chaîne. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même en faire une sur la chaîne en compagnie de mon frère. Donc si vous kiffez les concepts de draft les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me proposer les prochains concepts en draft que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis écoutez, on va arrêter de parler, on va directement faire la draft avec les dés. On a nos dés là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en gros on va devoir lancer le dé. Et par exemple si on tombe sur le numéro 1, on va devoir prendre le joueur qui est situé sur la première position parmi les 5 joueurs proposés. Et bien sûr si on tombe sur le numéro 6, on pourra prendre le joueur qu'on souhaite. Voir le meilleur joueur en gros, donc voilà tout simplement. Donc écoutez les gars, on est parti. Mon frère va lancer le dé et moi je vais filmer par au-dessus avec mon appareil. Puisque oui, j'ai pas deux appareils, donc je vais être obligé de filmer avec l'appareil là actuellement. Donc c'est parti les gars, on se retrouve directement sur le jeu. Ok les gars, on est parti, j'ai lancé la draft. Donc mon frère va prendre le dé, tiens prends le dé. Donc pour les dispositifs, on va quand même lancer un petit dé. Hein. Donc vas-y, je prends la caméra. Mon frère va lancer le dé. Vas-y, tu peux le lancer ici si tu veux. Vas-y. Donc comme vous l'aurez vu, on a chopé le numéro 1. Donc c'est parti, on doit prendre le 4-3-3 resserré. C'est parti, vas-y, prends le... Ouh là là les gars, t'as vu, on a une légende. George Weah, en numéro 1, on a du Suarez, du Messi, du Gareth Bale. Bah écoutez les gars, c'est parti, vas-y, tu veux relancer le dé ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y. Donc voilà, il a chopé le numéro 5. J'aurais préféré avoir une légende ou un petit Messi. Mais on va dire qu'un Gareth Bale, c'est déjà pas mal. Vas-y, prends Gareth Bale, voilà, c'est parfait. Vas-y, directement le buteur. Bon, écoutez, les gars, je tiens la caméra comme ça, hein, parce que ça va être chiant sinon de la reposer à chaque fois. Ouh, il y a du Griezmann, il y a du Benzema. Chope-moi le 1 ou le 3, là, ce serait bien. Le 6, voilà, c'est parfait. On peut choisir le numéro qu'on souhaite, les potes. Donc, vas-y. Ouais, prends du Benzema, hein, Benzema. C'est parfait les gars, vas-y prends l'attaquant gauche. L'attaquant gauche, d'accord, ça pue la merde. Donc vas-y, je lance le dé vite fait. Manquer le joueur, il pue la merde. Le numéro 2, voilà, c'est pas ouf. Vas-y, prends le numéro 2, mollo. Allez, on passe avec le premier milieu central les potes. Vas-y, clique. Allez, du lourd. Je voudrais choper du Rakitic, parce que pour le même championnat. Allez, c'est parti, je lance le dé. Le numéro 5 les gars, le numéro 5 c'est Moutinho. J'espère qu'on va choper du Ronaldo pour avoir un petit lien portugais. Vas-y, prends le milieu défensif. Ok, c'est pas mal, bon. Vas-y, lance le dé maintenant. On échange un petit peu. Hein. Le numéro 3, Cabaye, le petit français. Vas-y, prends l'autre MC. Ouh, du Totti. Du Totti, du Iniesta Totti. Il y a du Pogba, mais je préfère avoir du Modric ou du Iniesta. Bah écoutez les gars, je lance le dé. J'espère qu'il va nous porter chance. Allez, c'est parti. Le numéro 4, d'accord. C'est pas celui que je voulais avoir, mais il est pas mal, c'est Fabregas. Ok, allez, on commence avec la défense désormais, les potes. Vas-y, prends le défenseur droit. Aurier, la petite fiotte. Il y a Jallet. Mais non, pas Jallet, t'es fou. Faudrait Carvajal, le joueur du Real Madrid. Vas-y, prends le dé. Ok les gars, le numéro 2. Aurier. Il est pas mal, vas-y, prends le défenseur central. Ok. Là, il n'y a pas de joueur que je souhaiterais avoir. Si, peut-être Bonucci. Allez, c'est parti, on va essayer de choper le numéro 4, les potes. Le numéro 2. Le numéro 2, on part sur Matip. Allez, prends le deuxième défenseur central. D'accord, ça pue la merde, clairement. Bon, les gars, je suis désolé pour l'angle de vue de la caméra. Je sais qu'il est un petit peu pourri, je dois tenir la caméra en même temps. C'est galère, mais bon voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les potes. Donc là c'est des joueurs non rares, donc ça va puer la merde dans tous les cas. On lance le dé, le numéro 4, Zambrano, le défenseur gauche. Ouh, il y a du très très lourd, j'espère qu'on va choper du Gaïa. Ça serait bien de choper le numéro 4, donc vas-y, lance le dé. Le numéro 1, Chevchuk, un Ukrainien totalement pété.
Vas-y, prends le gardien désormais. Allez, du lourd, s'il te plaît. Sirigu, Valdez. Ouais, c'est pas ouf du tout. Hein. Bah, vas-y, tu peux relancer le dé si tu veux. Le numéro 5. Le numéro 5, d'accord. C'est le plus pourri des gardiens qu'on pouvait choper. Bah, écoutez, les gars, on passe désormais avec les remplaçants. Vas-y, prends le premier remplaçant. Aïe. Il y a 7 record breakers, les potes. Faudrait vraiment le choper. Hein. Allez, les gars, c'est parti. Le numéro 3, j'espère. Allez, de la chance, s'il vous plaît. Le numéro 6, les potes. On a réussi à choper le numéro 6, regardez. Donc, bah, c'est pas... Mon frère qui vient de faire une boulette. On a chopé le numéro 6 et il a pris Mandanda, ce con. Le numéro 6, on peut choisir le joueur qu'on veut. Bon, c'est pas grave, les gars, c'est qu'un gardien, mais bon, j'aurais préféré prendre 7 record breaker. Bon, c'est parti, vas-y, on enchaîne avec la suite des remplaçants. D'accord, une carte noire, ça pue la merde. Le numéro 5, là, c'est celui-là. D'accord, bah là, je veux le numéro 5, là, clairement, je veux le numéro 5. Le numéro 6, parfait, bah voilà, là, tu te trompes pas, tu prends bien le numéro 5. Philippe et Louise, voilà, c'est parfait. Vas-y, continue toujours. Rakitic, voilà, on retrouve Rakitic, les potes. Faut qu'on tombe sur le numéro 1, donc écoutez, c'est parti, numéro 1, allez, j'espère. Numéro 6, parfait, les gars, bah vas-y, prends le numéro 1. Bah c'est parfait, hein, quand on tombe sur le 6, on a le droit de prendre le joueur qu'on veut. Ouais, d'accord. C'est pété, faudrait Nolito, je pense, le 5ème, mais vas-y, prends le dé, vas-y. Le numéro 1, d'accord, Fernandez. Le remplaçant, on continue avec les remplaçants. Ouh, il y a du Di Maria. Du Alcacer, allez, on enchaîne. Le numéro 2, donc bah c'est Mkhitaryan, l'Arménien, vas-y. Ouais, ça pue la merde. Ça pue la merde, clairement. Le 6, les gars, on bat... Ouais, vas-y, on part sur du Di Natale. Ouais. C'est parfait, vas-y, on enchaîne avec les réservistes désormais, les potes. Ouais, ça pue la merde encore, là. Le numéro 6, bon bah parfait, on choisit ce qu'on veut. Bah vas-y, prends Rico, parce qu'il joue en en Liga BBVA. Allez, il nous reste 4 joueurs à sélectionner. Vas-y, lance le dé. Le numéro 4, Boetius. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Allez. Ouh, il y a du Di Maria, du Sanchez. Allez, je lance le dé. Le numéro 3, et c'est le joueur le plus pourri, Helm. Vas-y, lance le... Il reste 2 joueurs, vas-y, lance 2 fois maintenant. Eh ben non, les gars, on se tape le joueur le plus nul. Marlos. Le seum. Bon, allez, les gars, dernier joueur. Ouh, là. Voilà, je veux soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le 5. Très clairement. Ok, les gars, on est parti. J'espère qu'on va choper le bon numéro. Allez. Le numéro 5, les potes. On se tape du Royce MOTM. Le orange, ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, je peux poser la caméra désormais. Donc voilà, les mecs, on se retrouve. J'ai essayé de faire la meilleure draft possible. Et on arrive à un collectif de 66 et une note globale de 83. Donc c'est compliqué, hein. En faisant une draft au hasard comme ça, on peut pas vraiment choper les joueurs qu'on veut. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des changements à faire pour améliorer l'équipe. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si cette draft vous a plu. Hein. C'est vrai que c'était un peu chaud à filmer, etc. Bon, il y a eu une petite boulette, mon frère a pris Mandanda. Alors qu'on est tombé sur le chiffre 6 et on pouvait prendre 7 record breaker. Mais bon voilà, c'était un petit peu fun de faire ce concept. Donc voilà les mecs, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me le faire savoir en me bombardant cette barre de like les gars. On va pas se fixer d'objectif de like pour aujourd'hui. Mais je compte sur vous pour la liker un maximum. Ça me prouvera que vous kiffez les drafts et que vous voulez en voir d'autres sur la chaîne. Puis donc voilà les gars, je vais arrêter de parler. T'as un mot à dire pour la fin ou pas du tout? Non. Non bah il a rien à dire donc c'est parfait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne les gars. Puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity et mon frère. Ciao ciao.